on n'est pas surpris dans la mesure où on connaît bien le club. Moi, je n'étais pas venu, puisque c'est un directeur de centre de formation qui était venu ici. Moi, il y avait eu beaucoup d'échanges depuis 2 ans. Donc c'est un partenariat qui a été mûrement réfléchi et très fier, très, très content de faire ce partenariat avec un club belge. Je connais bien le football belge et c'est un football de très haut niveau. Puis maintenant, le partenariat, c'est donnant-donnant. Puis j'espère qu'il sera dans la durée parce que c'est un partenariat basé sur des valeurs humaines. Avec, quand je dis donnant-donnant, nous, bien sûr, on espère découvrir de très bons jeunes joueurs et qui puissent peut-être venir un jour à Saint-Etienne. Et puis du côté de Vierton, je pense que nous, on apportera un savoir-faire à tous les niveaux, que ce soit sportif, médical, même de communication, du marketing. Et puis peut-être des joueurs qui ne pourront pas peut-être franchir les paliers chez nous, qui pourront peut-être passer ici aussi. On a des partenariats déjà en France, hein. C'est notre premier partenariat dans un football hors de la France, mais on a beaucoup de partenariats en France, dont 2 partenariats avec des clubs de Ligue 2, Clermont-Ferrand et Niort, et ça se passe très bien, il n'y a pas de problème. Mon travail qui s'effectue depuis plusieurs années, avec une stabilité, je dirais, à tous les niveaux, et au niveau de structure bien sûr, mais aussi au niveau des personnes, surtout au niveau du staff, de l'entraîneur qui est là depuis longtemps, qui fait un super boulot, Christophe Galtier, et donc et un groupe qui, avec une certaine un certain état d'esprit, qui fait qu'on a des résultats, mais la route est encore longue. Nous, l'objectif, c'est d'essayer de sortir de la poule pour la Ligue Europa et puis, bien sûr, de placer le mieux possible en championnat. On a l'ambition de finir dans les 5 premiers. Mais c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de clubs qui sont présents.